Nous sommes ravis donc d'avoir pu vous accueillir aujourd'hui, depuis ce matin, et remercier bien sûr tous les exposants qui sont fidèlement présents, toutes les associations présentes comme chaque année. Un grand merci pour cette belle participation active à cette journée nature. Alors moi, au quotidien, pour me sentir mieux, j'essaye de prendre le temps de respirer. Et pour que ce soit bénéfique, il faut prendre des grandes inspirations par le nez et des grandes expirations par le nez. Et penser à s'étirer. Quand on dit « regardez le chat dès qu'il se réveille le matin, l'après-midi, après sa sieste et qu'il s'étire », c'est vraiment quelque chose de super important. Même nous, on a besoin de s'étirer. Aujourd'hui, nous faisons des ateliers de confection de lessive écologique, ce qui nous permet de n'utiliser que peu de contenants de manière à réduire également les déchets. Je suis un amoureux du bien manger et surtout de l'anti-gaspillage. En gaspille trop, bien manger, c'est la base d'une bonne santé pour éviter le gaspillage alimentaire. Je fermente mes légumes. De l'eau, du sel et des légumes. Je les conserve plus longtemps, c'est que du bénéfice. En cas de stress, d'angoisse, fabriquer son propre stick inhalateur et qu'on y enrichit deux ou trois huiles essentielles anti-stress comme la lavande, la camomille ou l'orange. Et on respire sur chaque narine 5 secondes profondément en essayant de penser à des choses positives. Et voilà.